j'ai été désigné barre des bleus par le PMU. J'ai la chance de recevoir une guest star qui est Pierre Fanfan, ancien joueur de Lens. Le PMU, grâce à ses opérations comme barre des bleus, nous permet de développer notre activité et je suis très content. Messieurs, vous applaudissez pas s'il vous plaît pour monsieur Pierre Fanfan. Franchement, c'est très enrichissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je suis ambassadeur du PMU. C'est une démarche vraiment très belle qu'a entreprise le PMU. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la chance, malheureusement, de pouvoir être dans les gradins, donc pour être dans les tribunes, de pouvoir supporter l'équipe de France au plus près. Donc c'est aussi quelque part leur ramener le football chez eux dans ce genre de bar. On est tout le temps très content d'accueillir les opérations PMU. Là, on reçoit pour l'Euro Lionel Charbonnier. Ça crée une ambiance, c'est quelqu'un de connu et qui, n'oublions pas, était dans la liste des 23 vainqueurs de la Coupe du Monde quand même. Donc il y a quand même un impact, qu'on le veuille ou non. Le fait de pouvoir partager un moment comme ça avec eux, de venir, qu'ils puissent me poser des questions et tout ça, c'est très très important. Ouais. Et donc pour ça, je remercie vivement bien sûr la Fédé, mais aussi et surtout le PMU qui nous permet de nous rencontrer dans le bar des Bleus. On n'a pas forcément l'habitude de voir des joueurs proches de nous, surtout des joueurs assez connus. Donc c'était plutôt pas mal. C'est à refaire parce que c'est vrai que ça change des habitudes qu'on a d'aller dans un simple bar.